Salut tout le monde, c'est KGaming, j'espère que vous allez bien, car moi ça va super bien. On se retrouve sur Resident Evil, Evil ouais, Révélation 2, épisode 1, toujours, je le pense. Et ça serait bizarre qu'on se retape tout le chemin avec ce personnage, je m'en rappelle même plus son nom déjà, lui. Alors, il y a un petit souci. C'est qu'en fait, là, je sais pas où il faut aller. Perdu. J'ai ouvert les portes tout à l'heure. Pas quoi ça a servi de faire ça. Déjà, est-ce que ça a servi à quelque chose? Ah, d'en bas. Ouais, je suis un peu bloqué en fait là. Pas vous mentir. Avant, je savais toujours ce qu'il fallait faire à peu près. Là, c'est vachement sombre en plus ici. En vrai, si vous avez regardé l'épisode précédent, j'ai ouvert. Dernier truc que j'ai fait où je sais que j'en étais, c'était bon, c'était là. J'ai ouvert ça là. Ça m'a ouvert toutes les cages. Les cellules. Mais après on connaît quoi. Pas du tout c'est. Ah, puis j'éteins le courant. Oui. Attends. En fait, là, je tourne en rond. Ah ça c'est bon ça. Bon on va trouver hein, je vais tourner en rond tant que je comprenne dans mon petit cerveau. Ah oui, déjà c'était pour ça, pour arrêter le courant. Putain, mais je suis un peu con. J'ai arrêté le courant. Est-ce que lui ça sert à quelque chose qu'il y aille là-bas? Ah, regardez. Hein. Je pense pas, je vois pas à quoi ça sert. Bon, non, ça sert à rien. Là, je bloque sur un truc assez débile en plus. Enfin, je voulais montrer ça parce que ça fait partie du jeu, on va dire. Je devrais pas y aller seul. Il est bloqué. Bon, où c'est? C'est obligé que ça soit là. Peut-être celle-là là qui est différente de toutes les autres. Tiens, attendez. Pas un. Elle, par exemple. Ah, 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 ah. Regardez-moi ça. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir.
pour ça, je voulais vraiment montrer qu'on peut galérer quand même pour rien. Il y a quelque chose. Sois prudent. C'est bon. En fait, c'était pas pour rien qu'il fallait ouvrir les cellules. Je me disais, attends, si tu fais n'importe quoi, mais en vrai, c'était ça le but. Il y a quelque chose. Sois prudent. Prudent. Prends la petite pierre quand même. C'est trop classe. Franchement, je suis content là. Putain, j'ai trouvé. J'ai réussi. Et ouais, le problème maintenant, c'est qu'il faut arrêter. Non, j'ai pas besoin de l'arrêter. C'est con. Il suffit de le tourner. Enfin, on est sorti. Et ça, c'est pas magnifique. Ouais. Saccade sur saccade. C'est un véritable foutoir, cet endroit. Peut-être que la nuit, c'est pas aussi calme. La tour de communication est proche. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils y sont plus maintenant, eux. Ils ont dû bouger, c'est obligé. Je reconnais quelque chose. Oh là là. Désolé. C'est pas grave. On y est presque. Ça va? Oui, j'ai l'habitude de marcher. Ok, là peut-être que... on pourra rentrer là, je sais pas. Ah bah la petite. Voilà. Harry, c'est fermé. Je fais quoi? Essaie de casser le verrou. Tu vois un objet qui pourrait t'aider? Ah oui, d'accord. Méchant de forêt, 12 km. Une petite plante. Yes, side. Ça, c'est bon, ça. Bien joué. Moi, je pense pas terrible. Il est vraiment pas mal, ce Resident Evil. Franchement, moi, j'aime bien. Reste près de moi, d'accord? Oui. On masse quoi comme munition? Moi, je vous dis, pas pour rien qu'on nous donne des balles comme ça. Et un autre chemin. Ouais. Chut, il y a quelque chose. Oh putain. La pointe. Là, si vous faites attention, on peut voir l'ombre par terre. What the fuck, mannequin? Ouais. Ouais, mais là.
problème, c'est que... Je crois qu'elle nous a entendus. Où il est parti? On dirait qu'il est derrière nous. Ça sent pas bon cette histoire. Je vais quand même prendre la pierre parce que là je le sens pas. Il y a des munitions de pistolet. Du coup, faut que je lui prenne les balles à elle. J'ai oublié ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu quelque chose. T'as vu où, bordel? Il veut vraiment qu'on le tue en fait avant d'avancer. Oh mais juste une petite bête comme ça, enfin, une petite bête. De bras. Ça me fait flipper. En pleine lumière. Coucou, on est là. Je vais dans la cabane. Il va nous tomber dessus. Regardez, il est là-haut. Il y a quelque chose. Sois prudent. Il est là-haut, ce bâtard. C'est une chose qu'ils auraient pu mentionner dans le briefing. What? C'est quoi ça encore? Oh mais là franchement j'ai trop eu peur. J'ai flippé. J'ai fait un cri de fillette. Je m'en fous, j'assume. Je ne sais pas, ma puce. Restons prudents au cas où il y en aurait d'autres. Bah j'espère pas trop tout de suite, quoi. Je vais rester avec elle parce que... Il y a une lumière là-bas. Et regarde autour de moi ce que j'ai. Franchement, j'ai pas bien. On va prendre les munitions.
Quoi ça sert ça? Pas combiné. Comment je flippe. Doucement toi avec les branches. Putain, il se la ramène. Approche vers nous. On est obligé de le tuer. Pas. Oh, vous me croyez que je vois rien du tout? Ah bah déjà avec une carte ça sera beaucoup mieux. Ah, carte de la forêt. Ah c'est bon. Il a pas du tout lui. Là, je le sens pas là. Voir la carte. Hey. Ouais, là. Allez, vite, vite, putain. Non. Là, trop vite. Oh là là. C'était chaud.
D'accord, je pouvais allumer ma lampe. Oh là là. Et là, c'est de là où on vient, ça. Enfin, une clairière. Non. Les tarés m'ont tout l'air d'avoir les mêmes symptômes que l'Uroboros. Oh bah, robot ? C'est un virus très dangereux. Des gens très méchants l'ont utilisé en Afrique il y a des années. La question est, comment est-il arrivé là ? Les munitions. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo de Resident Evil Survival. Survival Error, j'allais dire. Resident Evil Révélation 2. Allez, merci à vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.